Ouais, un canard. Ah non, ne te déessaye, ça, je lui en arrive. Zéro. Enfin, vous n'avez pas de coffre, bon sang. Là, je trouve très maladroit de votre part de vous montrer désagréable. Êtes là votre chérie. Si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter plus haut que votre fils. Écoutez, hein. Ne me poussez pas à bout, parce que c'est moi qui vais vous faire sauter, je vous satellise. Amusant. Et comment? Vous avez regardé, ça, c'était le grenier avant. Regardez maintenant. Poutre apparente, sofa, lumière d'ambiance. Bah tiens, ça c'est mon agence. Non, parce que j'ai une agence aussi. Quand j'ai eu fini de retaper pour moi, je me suis dit après tout, pourquoi je retaperais pas pour les autres, c'est vrai. Les gens sont cons, faut en profiter. Je me suis trompé sur mon destin, mon cher. Je ne suis pas un grand fauve, mais plutôt un animal de salon. Le genre chihuahua. Ah, je renais. Ah, je revis. Ah. Oh non, de Dieu, bordel de merde. Ah, suis-vous. Suis-vous. Ah, je suis complètement cinglé. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi? Et oh, poussin, trouve pas que j'ai un peu repris, là? Mais non! J'ai plus mon damier, comme d'habitude. Ouais, peut-être que je repasse au dégraisseur, non? Tu sais bien que c'est mauvais pour toi, le sauna. Oh, bordel! J'ai bien pas le chalet cette nuit, et toi? Moi aussi! Oh putain, ça fait du bien de ronfler comme ça. Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie? Pas toujours, hein. Est-ce que ça suffit à nous excuser? Vous connaissez Monsieur Mariel? Très heureux, j'ai beaucoup aimé votre dernier film. Ah oui? Très bon. Vous vous souvenez du titre? Oui, c'était pas quelque chose avec... buissons? Les buissons? Derrière les buissons? Non, il n'y avait pas de buissons. Aucun buisson. Qu'est-ce qu'il y avait alors? Il y avait un pot d'eau chaude. Pot d'eau chaude? Pourquoi faire? Je suis Jean-Pierre Mariel. Oui. L'acteur. Oui, je vois. Voilà. Bon. C'est tout. D'accord. Zana Kotnitch. Elvis Presley. Enchanté. J'étais assistante vétérinaire. Ça tombe bien, je suis un cochon.